Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Qu'il connut tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même. Et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi 7 juin, 9e semaine du temps ordinaire, lues par le diacre Jean-Paul Lawson et ses mains et la sœur Amititovi Sandra, commenté par le diacre Justin Dicono et ses mains. Lecture du livre de Tobie 3, 1 à 11, 16 à 17 a. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes pères. Car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères
et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel, d'Ecbatan, en Médie, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée cette fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà sept à qui tu as été donné en mariage et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Eh bien, non, on irait insulter mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille, une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'aie plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobie pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux afin que, de ses yeux, il voit la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser, plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours, dont ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia! Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc 12, 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Il interrogeait, « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, tout comme hier, nous poursuivons notre méditation avec le texte de Tobit. Tobit, du fond de sa douleur, surgit la prière que nous venons d'écouter. L'enjeu de ce texte est que la rétribution divine n'est pas immédiate, que le juste doive souffrir tout comme les injustes, mais à la différence, le juste doit continuer d'avoir confiance. Nous avons besoin de l'endurance dans nos moments d'épreuve. Dieu nous aime avec un amour personnel, mais cela n'empêche que nous fassions quelques expériences de douleur, du silence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu aimes ton enfant que tu lui donneras n'importe quel cadeau. Dieu nous aime, mais il veut voir si nous pouvons l'aimer sans intérêt. L'expérience de Tobit est un témoignage qui peut nourrir notre foi, surtout dans les moments difficiles. Dieu répond toujours, il va le faire, mais peut-être c'est l'heure à laquelle il le fera que nous ignorons. C'est pourquoi il est important d'être fidèle à sa parole. Jésus, dans l'Évangile, veut donner une confiance plus grande, un espoir à tous ceux qui meurent au nom de la justice, de la fidélité à leur foi, au nom de leurs bonnes œuvres. Vos œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Au dernier jour, Dieu vous ressuscitera pour la récompense éternelle. Prions-le afin qu'il tourne toujours nos regards vers lui lorsque la souffrance et le désespoir nous accablent. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la falaise. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.